Et bien salut tout le monde les gars, c'est Arsoft, nouvelle vidéo sur FUT16, ou du moins l'application web, puisque on n'est pas réellement sur le jeu. Là on va juste profiter du fait que l'application soit ouverte. D'ailleurs les gars, profitez-en pour aller dessus, hein, tout simplement. Puisque tous les jours on a le droit à des petits cadeaux quotidiens, pardon. Et donc faut en profiter, hein, au début de FUT c'est non négligeable, surtout qu'on peut tomber sur des gros joueurs, etc. La Team of the Week va débarquer, il y a du Ronaldo et tout. Profitez-en, allez ouvrir des packs, vos packs de bienvenue. Moi on m'a donné 4 packs de bienvenue. Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, je peux quitter ce mode. Bref, ça m'a perturbé. Donc ouais, il y a du Ronaldo et tout dans la Team of the Week, etc. Donc allez ouvrir vos cadeaux de bienvenue. Je me répète, mais voilà, c'est non négligeable au début de FUT. Donc j'ai été obligé, je sais pas si vous avez eu ce problème les gars, moi j'ai été obligé de renommer mon club. Parce que les Galactiques, apparemment c'était une insulte, donc j'ai changé. Et je me suis mis un petit nom. Eh hey, mec, c'est quoi ça? E-sport, dégagez. Je me suis choisi un petit nom les gars. Le PSV Heineken. Franchement, je trouvais que ça me correspondait bien. Et j'avoue, c'est un bon délire, ça me fait délirer. Et voilà, franchement, petit nom sympa. Je suis content de moi, tu vois. Là, j'ai le sourire, je suis content, t'as vu. Bref, on est là pour ouvrir mes 4 paquets quotidiens. Donc en plus, c'est 4 packs or. Donc on va voir ça. Donc là, on a les packs. Est-ce qu'il y a des packs spéciaux? Non, ça m'étonnerait parce que c'est le début. Donc j'ai pas de points FIFA, je les ai toujours pas mis. Je les mettrai demain via e-access pour voir le jeu en avance. Si vous ne l'avez pas, c'est 4€ sur Xbox One. Plus d'informations sur le site FIFA Gamers Blog dans la description. Bref, on va voir ce que j'ai dans mes packs, les gars. Parce qu'au début, on m'a donné une équipe de base, hein, pété. Mais bon, vous inquiétez pas, les gars. Sur la chaîne, dans le week-end, je pense, ou même peut-être vendredi, vous aurez droit à un petit tuto comment bien commencer FUT, vous faire des crédits tranquillement. Et partir en division, péter des culs, facilement, vous aurez des bonnes équipes compétitives. Donc il y aura 5 équipes proposées, plus une façon de faire des crédits tranquilles. Vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Bref, bon, moi j'ai commencé avec ça, franchement on m'a donné Boot Boost qui a des bonnes stats, franchement. Bébé pareil, il a des bonnes stats, après faut arriver à les placer, c'est le début de FUT. En tout cas les gars, vous faites pas chier, jetez pas les joueurs, vous amusez pas à les jeter, gardez-les, parce qu'on en aura besoin pour le petit tuto bien commencer FUT. Bref, cette fois-ci, on est parti pour ouvrir les packs, en espérant avoir un petit peu de chance, même si je me fais pas trop d'illusions, je pense qu'on aura un peu de la merde. Bref, surtout que les packs, là, il y a un seul rare sur celui-là, un seul rare ici. Là, c'est des packs joueurs, donc tout joueur, il y a 4 en or et 1 en rare, donc je peux me taper des bronzes rares, etc. Un petit Odoro, je crache pas dessus, t'as vu, tranquille. Bref, on commence par lesquels? Allez, vas-y, on va commencer par les packs or. Ici, les packs joueurs, on le garde pour la fin. Franchement, la petite animation. Ah, Bruma, je croyais que c'était un gars rapide. Bah non, pas du tout. Oh là là. Voilà, ça par contre, les packs cadeaux, ça risque d'être jeté. Il faut faire gaffe, il y a des petites pépites parfois, comme lui. Vous voyez, Saré là qui joue en D1 portugaise. Ça peut être une petite pépite, il y a des bonnes stats pour MDC. À voir, franchement, il y a à voir. Colocini, bon, ça on peut le jeter, mais bon, faut essayer de le mettre en vente, hein, ça se trouve, il y a des gens qui vont l'acheter, etc. En tout cas, on a des petits contrats, tout, ouais, c'est pas mal. Ouh, le maillot. Déjà, le maillot, je le rends actif. Petit maillot des LA Galaxy. Hop, maillot extérieur, je le rends actif. Parce que ça, c'est sympathique. Le logo, je vais pas le changer, puisque celui-là, je le trouve sympa. Je l'avais jamais vu, mais je le trouve sympa pour l'instant. Ça fait un espèce de, je sais pas, triangle, ou j'en sais rien. Bref, on va tout renvoyer au club, on va rien jeter. Merde, comment on fait ? Attribué automatiquement, j'espère que ça va mettre dans le club. Ouais, c'est bon, normalement on est bien. Alors ensuite, pack tout joueur, non, pack or, vas-y, on va continuer sur le pack or, on est parti, on espère avoir un bon joueur, franchement. Non, Ricardo Costa, c'est quoi la carte rare? Ah, c'est une carte contrat joueur. Ah, dommage. Ah, pas mal de maillots comme ça, blanc. Giovanni Augusto, non. Ricardo Costa. Ah, il y a déjà les joueurs brésiliens qui apparaissent. On a déjà le droit aux joueurs brésiliens. Donc, est-ce qu'on a accès au FUT Concept? Faudrait que je regarde. Bref, là je pars loin, là je suis dans mon petit délire. Donc, pas grand chose. Une carte maestro, ouais. Bon, de toute façon, c'est le début de FUT. Après, moi je suis pas connu pour avoir beaucoup de chance dans les packs. À vrai dire, j'en ai jamais. J'en ai juste une fois. Franchement, les gars, hier j'étais dans les locaux de chez IE. J'ai ouvert pour 3 millions de crédits. Franchement, 3 millions de crédits. Parce qu'on avait des comptes avec 50 millions de points FIFA, 50 millions de crédits. Franchement, je me suis posé sur une table,
J'ai ouvert pendant peut-être, allez, on va dire une demi-heure, 3 millions de crédits. Franchement, j'arrêtais pas. Pack à 25 000, que des joueurs, que des packs joueurs en plus. Tac, 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 j'ai rien eu, sauf Iniesta, les gars. J'ai juste eu Iniesta, même pas une petite légende pourrie. J'avoue, même si c'est une légende pourrie, t'es refait. Mais en vrai, ça dégoûte. Ça dégoûte 3 millions de crédits, j'ai vraiment jamais de chance. Elton, voilà, on me troll. On commence direct avec Elton pour me troller. Bon, c'est mieux que rien, mais bon. Oh, j'ai encore eu bébé. Wesh, hey, les gars, on commence fut. Il y a une chance sur, je vais dire, je sais pas, je vais dire une connerie, une chance sur 50 000 de retomber sur bébé alors que je l'ai déjà. Vas-y, il me le redonne. Je le mettrai en vente, c'est pas grave, ça fera un petit peu de. Un petit peu de moula, de caramel, t'as vu. Putain, chier. Morel, ouais. Elton, je vais le vendre, je pense, je vais pas me faire chier. Histoire de faire un petit peu d'achat-revente sur l'appli web en attendant en fut. Même si je dis ça, mais j'aurais la flemme de le faire. On n'a pas le temps. Hop, oh bah on est déjà au dernier pack. On est déjà au dernier pack, les gars, sérieux. Alors, c'est toujours le pack joueur. Bienvenue en FIFA 16. Ce pack contient 12 joueurs, 4 en bronze, en argent et en or. Ah, ouais, en fait, il y en a 4 de chaque. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, les escrocs. C'est mec qui part en couille. Pereira. Il a des bonnes stats, hein. Kobayashi, c'est qui. Voilà. Si tu vous disais quoi, on va tomber sur un bronze rare. Oh putain. Chaud. Par contre, le logo, c'est quoi cette équipe là? Ça a l'air pas mal. Moldovia Saransk. Ok. On verra. Faudra peut-être que j'investisse dans son logo. Il est pas mal. J'aime bien. Bon, ouais, lui, après, voilà. Après, c'est des joueurs pétés. Pereira, ouais. Ouais, Schaffer. Kobayashi, ouais, ils ont rien respecté. Il a des stats flingués. Chaud. Franchement, c'est chaud pour lui. Ouais, après, c'est nul. Silla, MJ, non. Van Buren, BU, 83 de vitesse, ouais. Pour jouer, ouais. Pour faire un petit. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Aguilar, wesh. Wesh, c'est nul. Gardien, Babacan, yeah. Ouais, c'est chaud. Alex Lopez. J'avoue, c'est chaud, les gars. On a rien eu de bien transcendant. Mais bon, c'est normal, c'est le début. Et j'ai jamais de chat, comme je vous le dis. En tout cas, dans mon club, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas grand chose. Est-ce qu'il y a un marché des transferts? On va aller voir avant de se quitter. Voilà, on découvre l'appli quand même, on est bien. Base de données, je sais pas ce que ça fait. Wesh, ça fait de la merde. Hop, autorisé, ça fait de la merde, ça fait de la merde. Et ouais, non, c'est pas mal. Franchement, l'appli elle est chouette. C'est bien qu'elle soit revenue. En espérant qu'elle disparaisse pas comme chaque année. A voir, mais bon, normalement ça devrait le faire. Équipe concept, ah voilà, on peut faire une équipe concept. Donc si je fais ça, tac, tac. Imaginons, juste pour voir une petite chose. Avant de partir, avant de se quitter les gars, juste pour voir un truc. Ok, déjà ça met une team légende. D'ailleurs les gars, demain une vidéo sur les légendes. Quoi, sur une équipe avec plein de légendes, la meilleure équipe possible. Vous allez voir, vous allez craquer. Bref. Alors, est-ce qu'on peut trouver Ronaldinho? Ah non, les malins. Il est pas dans le jeu ou quoi? Pas tôt. Y'a Alexandre Pato, mais y'a pas Ronaldinho, je suis sérieux? Oui. Ouais, chaud, c'est peut-être parce que c'est pas mis à jour. Et garde le meilleur pour la fin, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, Alexandre Pato, c'est des bonnes stats, hein. C'est des bonnes stats. Quand j'avais vu. Merde, Pato, voilà. Quand j'avais vu hier. Aucun résultat. Ouais, je vois le concept, ouais, ils m'ont fait peur. Voilà, franchement, les stats du gars. Là, on va peut-être avoir un vrai BU, les gars. Un vrai BU brésilien. Ça fait plaisir. 85 de vitesse, 77 en tir, 81 en dribble. Sûrement 4 étoiles gestec, si je me souviens plus. 68 en physique. Il doit avoir un bon équilibre. Hein. Donc, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. En tout cas, voilà. On va la regarder. Merde. Et ça apparaît tout le temps. Faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Ça doit être le Mac qui doit faire ça, un truc du genre. Peut-être l'appli. On va aller voir s'il y a des légendes. Avant de se quitter, on va quand même regarder ce qui se passe sur le marché. Alors. Déjà, est-ce qu'il y a un Ronaldo? Pff, c'est un mec qui a déjà... Wesh. 4 millions? Oh, ils sont sérieux? Ouais, on est pas prêt de l'avoir. Hein. Ouais, ils sont sérieux, il y a déjà un mec qui est tombé sur Ronaldo. Le mec, il devait être fou. Chaud. Chaud, 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 Ronaldo. D'ailleurs, j'ai vu, il y a cette carte spéciale. C'est pas mal, ça. Pour mettre des boosts. Bon, là, pour l'instant, bah, il n'y a pas de... Ah, pour mettre boost et légende. Ok, ça va mélanger. Il y a déjà un Valderrama de... En vente, qui était dans les packs. Putain, c'est propre. Hein.
plus les joueurs qui n'ont pas été mis en vente. Ça se trouve, il y en a qui ont Messi et tout, qui n'ont pas mis en vente. Du propre. En tout cas, c'est propre. Sur ce, les gars, ça va déjà être la fin, ça va déjà être la fin de la vidéo. Calme-toi, Lardinho, Tomigno, calme-toi. Donc, ouais, ça va déjà être la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver pour des vrais pack opening très prochainement. Je ne sais pas encore quand. En tout cas, ce week-end, tuto pour bien débuter fut, etc. Sur ce, c'est Artsoft. Bisous sur la fesse. Bonne journée à tous.